Mérité, oui et non, parce qu'en deuxième mi-temps, on a quand même beaucoup souffert. Mais c'est vrai qu'on était quand même bien en place en première mi-temps. Techniquement, on a été bien, assez costaud, pas concédé de grosses occasions. Donc c'est vrai que c'était rageant un peu de prendre ce but un peu en plus sur une erreur. Mais je nous ai encore sortis de là avec ce deuxième but qui nous fait vraiment du bien avant d'aller à Lorient dimanche, parce qu'on sait que ça va être compliqué. Et vous avez l'avantage là d'un but, ça c'est important. Oui, on a l'avantage et surtout on a montré que sur ce match aller chez nous, on avait répondu présent, on a su l'emporter à domicile. Donc c'était important pour nous de faire ce genre de match, de montrer qu'on pouvait battre une équipe de Ligue 1. Et c'est vraiment un sentiment, pas de fierté, mais voilà, on a fait un bon match, on a gagné. Donc c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut récupérer parce qu'on rejoue vite dimanche. On a fait ce qu'on avait envie de faire, quoi. Surtout, c'était ça, c'était le plan de jeu, c'était important. Je pense qu'on aurait pu faire encore mieux dans l'utilisation du ballon sur nos phases offensives où des fois on a souvent été plus performant que ça, mais en face c'est une Ligue 1, c'est Lorient, c'est une belle équipe, donc il y a un adversaire beaucoup plus coriace que ce qu'on a eu l'habitude aussi d'avoir en Ligue 2, sauf sur certains matchs. C'était bien de mener 1-0 au bout de cette première mi-temps. Il reste encore 90 minutes, devant c'est vraiment un tout petit écart, et on sait que cette équipe de Lorient est très performante avec des forces atouts offensifs, donc bon voilà, ça, il reste encore 90 minutes très difficiles et il n'y a rien de fait, quoi. Donc c'est sûr de mener sur ce premier match, mais Lorient a mis un but à l'extérieur aussi, ça compte aussi, et donc on verra, mais on s'attend à une réception lorientaise en terre bretonne, ça va être très très chaud. On savait déjà que ça allait être compliqué, voilà, c'était une équipe de Ligue 1 en face, donc c'est vrai qu'on s'est beaucoup accroché, c'est vrai qu'on a su être réaliste aussi dans ce qui nous a servi ce soir, et du coup c'est vrai qu'on a su s'accrocher, rester solidaire pour pouvoir aller chercher, arracher le résultat positif à la fin. Ça nous a fait du bien, voilà, on a senti que le public était avec nous sur le premier but, donc après on a essayé de continuer. Après à la pause, c'est vrai qu'on a pu se reculer en deuxième mi-temps, ce qui leur a permis de jouer un petit peu plus haut dans notre moitié de terrain. Et c'est vrai que on a su rester costaud défensivement pour garder ce résultat. Bon, on s'est pris un but, c'est vrai, certes, mais après on a su rester encore concentré pour pouvoir marquer à la fin sur un éclair de génie encore de Benji. Forcément, il va pas falloir subir pendant 90 minutes parce que ça risquerait d'être trop dur. Donc il va falloir continuer à jouer, à développer du jeu, parce qu'on a vu en deuxième période que si on subissait trop, à un moment donné, on allait craquer. Donc ça suffira pas contre cette équipe de Lorient de vouloir que défendre. Favori, c'est un grand mot. C'est vrai qu'on a un avantage au niveau du score. Maintenant, on va à Lorient. Chez eux, ils ont l'habitude de pratiquer un très beau football. Donc on sait que ça va être compliqué. Mais on va jouer notre chance à fond, sans pression. Voilà, nous, on a fait une super saison. On finit troisième. Bon, cette année, c'est pas de bol, on va dire, s'il y avait les barrages. Mais normalement, dans toutes les autres années, on a accédé à la Ligue 1. Pardon. Mais on va y aller avec beaucoup de plaisir, profiter de ces moments. On a fait le job ce soir. Il nous reste un match pour aller chercher ce bonheur et on va s'accrocher à ça.